Oh, je vous avoue, ça a été vraiment une. Franchement, je vais. Ça a été une semaine d'introspection et enfin énorme pour moi. Et j'ai essayé de réagir le mieux possible en essayant de protéger la cause qui est plus importante que nous. Mais en essayant quand même de continuer le combat, si j'ose m'exprimer ainsi, et pas en abandonnant. Parce que j'ai des proches à moi qui m'ont dit, mais franchement, annule. Ils étaient en mode, mais moi, j'aurais annulé. Mais je peux pas annuler. C'est trop important. Je pense que reconnaître qu'on s'est trompé parfois et revenir en arrière et pouvoir réagir, à mon avis, c'est bien plus important. Parce que le monde de l'internet particulièrement et des réseaux sociaux manque de rédemption, manque d'excuses et manque d'humilité, à mon sens. Parfois, voilà, c'est pas grave d'exposer ses faiblesses, c'est pas grave de dire qu'on s'est trompé et nous, on l'a fait. Donc, et là, on avance. Et je dis pas qu'on a fait le choix parfait et tout. On a essayé de faire le choix le moins pire, on va dire, pour un combat qui nous dépasse. Notre prochaine journée de shitstorm, mesdames et messieurs, c'est mercredi après-midi, quand on va révéler les gagnants du vote du sondage. Où là, les gens seront en mode. Mais non ! Ça veut dire que ce que je pense, les autres pensent pas pareil ? Et je devrais me plier à ça ? Non. Non, c'est trop insupportable. Non, je peux pas le supporter. Donc, voilà. Donc quand certaines personnes qui sont dans des bulles vont réaliser que peut-être que leurs opinions et leurs informations sont peut-être pas celles de certains autres qui votent, etc. Là, ils vont être en mode, non ! Ah non ! Ah non, je trouvais que c'était une bonne idée que Zerator fasse voter les gens, mais si c'est pour avoir ce résultat-là, fallait pas faire un sondage. Voilà. Mais c'est pas grave. Ensuite, pour l'écologie, parce que j'ai déjà vu des gens commencer à dire, mais le concert, c'est pas très écologique, streamer, c'est pas très écologique, vous allez mettre 50 PC dans une salle, c'est pas très écologique. Alors, vous avez tout à fait raison. Et en fait, on est des mauvais élèves de l'écologie. On sera aussi des mauvais élèves pendant le The Event et aussi des mauvais élèves après le The Event, même si on a levé... X milliers, millions d'euros. En fait, le but de ce The Event, c'est pas de dire, regardez, on lève de l'argent et on sauve la planète. En fait, c'est d'essayer de déjà, premièrement, de sensibiliser les gens avec le thème, parce que le thème est trop important, le thème est urgent, ça, je vais pas vous faire un dessin, voilà, tout le monde est d'accord. En fait, on n'a pas de consensus sur qu'est-ce qu'il faut faire, plein de gens sont pas d'accord pour ça, mais on est tous d'accord sur le fait que c'est la merde et qu'il faut réagir. Et donc, en fait, c'était aussi pour ça qu'on voulait prendre ce thème sur le The Event et de se dire, voilà, le dernier gros The Event énorme qu'on veut organiser, on veut qu'il soit sur ce thème-là. Donc, en tout cas, je sais pas ce que donnera ce The Event en termes de collecte d'argent, mais je trouve qu'en termes de prise de conscience, réflexion, ouverture d'esprit, ça a déjà été, c'est déjà pour moi le meilleur The Event. Ça, c'est sûr et certain. Et après, on verra, hein.